Yo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Pyrox, aujourd'hui on est avec personne. Et on va. Je vais. Enfin, pas en. Je vais vous montrer les animaux secrets de Rodeo Stampede, si vous voulez les avoir. Je vais vous expliquer comment les avoir en vous les montrant. Le premier est très facile à avoir. Il faut rester sur un buffle pendant 750 mètres. C'est tout, c'est facile. Je vous montrerai après si vous voulez. Alors dans les herbes, je vous montre juste ce que j'ai vite fait. Il n'y en a pas de secret. Je vous les montre vite fait parce que vous aimez bien que je vous montre mes animaux. Ah si, il y en a un secret. C'est lui. Le zèbre de Troie. Alors pour celui-là, il faut avoir débloqué tous les animaux de la savane. Et dans la même partie, chevaucher tous les animaux à la suite. Et par exemple, il faut que vous alliez sur un buffle, après un zèbre, après un lion. Mais si vous allez sur un animal que vous avez déjà fait, ça reprend tout à zéro. Il faut faire tous les animaux, chacun leur tour. Et après, il apparaîtra. Or, dans les autruches, je suis sûr là qu'il n'y en a aucun de spécial. Je les laisse juste sortir pour vous montrer. Désolé. Voilà, c'est tout. Ah non, il y avait l'autruche au balai, mais celle-là, on s'en fout un peu. Les girafes aussi, il y a juste une légendaire dans les girafes. Il n'y en a aucune spéciale. Je vous les montre juste. Voilà. Après, pour les vautours, là, je ne sais pas si c'est un secret, mais on le voit quand même, et je vais vous dire comment l'avoir. C'est le vautour supersonique ou un truc comme ça. Le vautouroïde. Or, celui-là, il est sur les grands bouts de terre qui est à partir de 1000 mètres dans la savane. Et il faut être sur une girafe. Sauter avant un grand bout de terre et peut-être qu'il y est dessus et il l'attrape et voilà. Mais je crois que c'est un secret ça. Alors après, lui voilà, le chef lion. Lui, il faut manger 30 animaux avec un seul lion. C'est tout. Et il apparaîtra. Alors il n'y en a aucun dans les éléphants de spécial. Les éléphants sont paumés. Il n'y en a aucun de spécial. Je crois que je suis une des seules chaînes françaises à faire du Rodeo Stampede. Je crois qu'il y a moi et une autre qui était un peu plus avant moi sur YouTube. Bon, ça fait pas longtemps que j'y suis. Alors là, c'est les sangliers. Il n'y en a aucun spécial. Enfin, secret. Voilà. Là non plus, les gorilles, il n'y en a aucun secret. Je les laisse sortir pour vous montrer. Voilà. Alors, les crocodiles, il y en a un. Je ne sais pas si c'est un secret, mais dans les vidéos des animaux secrets qu'il y a sur Rodeo Stampede, mais pas des Français, il y est. Alors, le lapin-gator. Moi, je préfère l'appeler le Bunny Gator. Lui, on le trouve à partir de 2000 mètres dans la jungle. C'est tout. Après, là, il y en a un secret aussi dans les hippopotames. C'est un truc genre un ornithorynque hippopotame. Son nom est assez dur à prononcer, déjà que ornithorynque, c'est dur. Le hippopotorynque. Alors, lui. Il faut aller sur un hippopotame et rester sur un hippopotame 30 secondes et il apparaîtra. C'est très dur. On dirait pas comme ça, mais ça c'est dur. Alors les tigres, il n'y en a aucun de spécial. Alors par contre, dans les toucans, il y en a un de secret. Alors pour les toucans, c'est le trican qui est secret. Celui-là, il est assez facile à avoir. Il faut être sur un toucan. Voilà, je vous le montre. Il faut être sur un toucan. Et sauter du toucan et faire 100 mètres de saut
arriver sur un autre animal, il apparaîtra un peu après. Voilà, dans les rhinos, il y en a un aussi. Celui-là, il faut, c'est pareil que le zèbre de Troie. Il faut aller sur tous les animaux à la suite. Si vous ne vous rappelez plus comment c'est le zèbre de Troie, eh bien, vous n'avez qu'à retourner en arrière la vidéo. Parce que ça m'essouffle de tout expliquer, parce que je suis malade. C'est le dinorhino. Alors, après, là, il y a les eux là. Alors, je n'ai pas trop de temps sur la vidéo d'enregistrement, alors je vais vous montrer que les secrets. Je vais arrêter de vous montrer tous les animaux. Alors, les chats, je crois qu'il n'y en a aucune. Désolé, le téléphone sonne. Alors, il y en a un ici, là, de secret. Alors, pour celui-là, il faut rester sur un aigle qui sont juste au-dessus pendant 2000 mètres. C'est celui-là. Voilà. Après, il y a un élan à voir que je n'ai pas eu. Je viens de débloquer les élans. Ou pour l'avoir, il faut juste aller sur tous les animaux comme le dino, le rhino, dino et le cheval de Troie là. Après, chez eux, il y en a un spécial. Je l'ai eu, mais je ne sais pas comment on fait. Je n'arrive pas à comprendre comment j'ai fait pour l'avoir. Mais je crois qu'il faut, avec un buffle normal ou avec n'importe quel autre buffle, bousiller des animaux le plus possible, je pense. Là, je vous montre un légendaire. Ça fait toujours plaisir. Alors, si j'en ai oublié des secrets, désolé. Mais je les ai tous eus, les secrets de la montagne, à part celui-là. Celui de l'élan. Alors, c'est juste que je ne voulais pas montrer si vous ne l'avez pas vu. Après, ici, je sais qu'il y en a des secrets, mais je ne suis pas assez haut dans la savane pour la dans la l'outback pour vous les montrer. Alors, je vais juste vous montrer vite fait les animaux de l'outback. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a trop plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à demander des choses que vous voulez que je fasse. Et mais à plus tard sur Rodo Stampede ou sur autre chose. Bye tout le monde. Portez-vous bien. Ne vous en mêlez pas les tentacules. Ciao.